Bienvenue au studio Rock Moderne et tout d'abord je tiens à saluer les nouveaux abonnés et tous ces commentaires de soutien que je reçois donc à l'occasion des innombrables vidéos dont je vous gratifie chaque semaine. Alors justement, parmi ces commentaires, on m'a encouragé à faire des vidéos sur de la New Wave, qui est un petit peu ma spécialité parce que c'est un petit peu mon expérience. Voilà, et donc vous l'avez sans doute reconnu, on va faire une spéciale Duran Duran et pas que, il y aura quelques petites surprises à la fin, en fin de vidéo. Alors pourquoi une spéciale Duran Duran? Parce que 2022, ça a été une année de 4, 5 rééditions, 4 albums studio des années fin 90, début 2000, et puis ce fameux live donc de 82. Alors justement, on va d'abord parler de ce live au Hammersmith Odéon de Londres en novembre. Je crois que c'était vers le 11 ou 15 novembre 82 où Duran Duran s'est produit donc en concert, en live, devant tous ses fans évidemment. D'ailleurs, on a des photos ici de du groupe en scène, sur scène. Et alors donc j'ai commandé ce disque au comptoir du disque, donc que je connais très bien, et donc qui est sorti pour le Record Store Day de cette année 2022. Alors évidemment c'était sorti déjà en CD en 2009 et en DVD également, mais ça avait été filmé évidemment en 82, comme vous l'imaginez. Alors comme la pochette, vous voyez, ressemble à s'y méprendre à leur deuxième album studio de 82, Rio, qui est resté quand même un an numéro un dans les charts en tant qu'album en Angleterre. Hein. Ça avait été vraiment un choc quand même. Moi, quand j'étais allé à Virgin à l'époque, en 82, ils passaient cet album en boucle sur leur immense chaîne stéréo. Voilà, c'était assez impressionnant. Et donc l'album de live va reprendre des titres donc de l'album Rio et aussi de leur album éponyme Duran Duran. Alors on a Rio, Hungry Like the Wolf et, sur l'album Rio, Nightbot sur l'album Duran Duran, New Religion sur et Save a Prayer sur l'album Rio, Planet Earth évidemment leur premier tube sur grand tube sur l'album Duran Duran de 81, Friends of Mine également, Careless Memory également, Make Me Smile et Girls on Film. Alors, Girls on Film, single, deuxième single sur leur album de 80. Alors, évidemment, le chanteur Simon Le Bon, Nick Rhodes au synthétiseur, Andy Taylor. Alors, on a tous les Taylor, Andy, John et Roger Taylor, guitare, basse et drums. Enfin, vous avez tout expliqué ici, c'est très pratique. Voilà. Et on va l'ouvrir, vous voyez, ils me l'ont vendu avec ces fameuses pochettes qui sont pas mal du tout transparentes que j'utilise maintenant. Alors voyons comment ça se présente à l'intérieur. Alors je l'ai écouté. Hein. Alors, d'abord, je crois qu'on va tout enlever parce que. Ah oui, c'est un gatefold, donc on va l'ouvrir en fait. On va l'ouvrir. Donc, les blisters sont de plus en plus, c'est pas de plus en plus résistants. Alors voilà comment ça se présente. La tranche, évidemment. Regardez comme c'est bien soigné. Hein. Voilà. Ah, superbe édition. Les membres du groupe, donc. Avec, alors je regarde. Avec le tour, hein, un tour, ils auraient fait un tour, c'est vrai qu'il y avait énormément de succès. Voilà. En Europe, Allemagne, Suède, France, Paris, Belgique, enfin tout ça. Il y a pas mal d'infos là-dessus. Et là, donc, les membres du groupe. Simon Lebon, Lead Vocals. Alors, particularité de cet album, ça c'est l'édition originale d'ailleurs qui est neuve, anglaise, et que l'on remarque avec un genre de pochette, je vous l'avais déjà présenté, texturée, un petit peu toilée.
comme un petit peu sérigraphié un petit peu. Donc c'est ça, c'est à ça qu'on reconnaît édition originale de 82. Alors à l'intérieur de celui-ci, donc que j'ouvre, donc très très belle pochette intérieure. Alors c'est du 140 grammes, mais comme je vous l'ai expliqué, le 180 grammes n'est destiné qu'à éviter qu'au disque de se voiler. Et là, donc, si le master est bon, si le pressage est bon, eh bien, ce sera impeccable, ce qui est le cas. Voilà. Et je crois que c'est... Qui c'est qui presse ça? C'est pas... Parlophone, oui, c'est ça. Donc, filiale de EMI, comme à l'époque, hein, c'était du Endurance, était toujours pressé par Pathé Marconi en France et EMI, EMI en Angleterre. Voilà. Joli macaron, édition Gold, pour le 40e anniversaire, évidemment, 80. 2022, c'est sorti en 2022, même si c'était sorti en CD, ce live en 2009. Alors le second, donc avec la tracklist, donc, et je vous rappelle, pareil, photo du live, admirable pochette, fantastique. Bon, c'est pareil, je vois que les macarons sont pareils. Duran. Voilà, qui avait un petit peu, bon, évidemment, je ne vais pas comparer les Beatles aux Duran Duran, mais ça avait été en Angleterre, pas sur le plan mondial, mais en Angleterre, ça avait été un petit choc comme avec les Beatles. Ils avaient voulu un petit peu remplacer les Beatles avec, évidemment, le style New Wave remis au goût du jour. Donc, c'était de la pop remise au goût du jour, au New Wave. Voilà, un petit peu avec des refrains comme ça, entraînants, un petit peu comme... ça va le faire les Beatles, mais évidemment pas avec le même talent, ni la même notoriété, ni le même impact mondial. Alors, voici les quatre rééditions qu'on attendait depuis longtemps. Voilà. Donc, alors, d'abord, le premier, celui-ci, Medazaland, que je vais ouvrir maintenant, avec le sticker Medazaland qui était sorti en 1997. Alors toujours, bon ça c'est BMG qui a repressé tout ça, sorti en 97, et on avait juste une version disponible, je crois, qui était plus ou moins non officielle. Voilà, donc avec, vous voyez, je sais pas si, voilà, vous voyez, il y a des parties mates et brillantes, et c'est peine sérigraphié, c'est un petit peu quand même, hein. C'est un petit peu. Donc je vous le remonte vraiment tellement qu'il est beau, ouais. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, et à l'intérieur, on a donc les deux disques. Je vais quand même commencer par le premier. Et il y a évidemment dessus le tube, évidemment, Electric Barbarella, voilà. Electric Barbarella, donc je vous avais présenté le maxi. Alors il y a un vidéoclip, évidemment on voit un genre de mannequin robot qui est un peu l'esclave de ces messieurs pour faire le ménage, la cuisine et autres. Voilà, donc c'est un peu équivoque comme vidéo, évidemment, Electric Barbarella. Là on est en, je sais pas si on est en, peut-être en 180, hein. Donc magnifique rose. Et on a pas mal de titres, bah, je peux vous les montrer là parce qu'ils ne figurent pas sur l'album. Il y a Mazzaland, Big Bang Generation, Electric Barbarella, Out of My Mind, Who Do You Think You Are, Silva Halo. Ensuite, Be My Icon, Buried in the Sand, Michael, You've Got a Lot to Answer For. Et il y a Midnight Sun, je crois que c'est un single, ça aussi. So Long Suicide Undergoing Treatment. Voilà, donc là, je vous l'ai montré encore. Version translucide, magnifique. Et alors, pressage impeccable. Merci BMG. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Et puis quand même, on est gratifié d'un magnifique, livret. Vous vous rendez compte, hop. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je vais quand même tout vous montrer, parce qu'il n'y en a pas comme ça, des masses. C'est beau, hein,
très épais. Voilà, on les attendait. Alors, l'album est bien, mais je trouve que plus on va avancer dans le temps, meilleurs seront les albums à mon goût. Je pense qu'ils sont peut-être plus travaillés, plus électro, peut-être. Ils vont être de plus en plus électro au fil des années 2000. Là, on est en 1997, donc le prochain sera en 2004, puis après 2007, puis 2010. Et voilà, et ça va aller crescendo dans le style qui me plaît beaucoup. Parce qu'il y avait eu un peu un creux de la vague à partir de la fin des années 80, début des années 90. Je trouve que Duran Duran avait baissé un peu. Finalement, ça avait remonté. Ça avait remonté pendant les années 2000. Voilà, je vous montre, ça vaut le coup. Puis alors, il y a une texture, c'est texturé, c'est plastifié un peu, c'est, je sais pas. C'est agréable au toucher, c'est mat, mais satiné quand même, mat satiné. Voilà, c'est bon. Bon. Alors ensuite, deuxième album, Astronauts, avec les singles, qu'est-ce qu'ils mettent là? Reach Up for the Sunrise et What Happens Tomorrow. En fait, on a donc sorti en 2004, hein, on a Reach Up for the Sunrise, What Happens Tomorrow et Nice aussi. Ils ont oublié le single Nice. Voilà, Astronaut, on va l'ouvrir. Ah, c'est pas un gatefold, attention. Attention, attention, n'ouvrons pas, ne faisons pas de dégâts. Voilà, donc voilà comment ça se présente. La tracklist, comme ça, j'aurais pas besoin de vous la lire. Voilà le nom du groupe, donc on est en 2004. Astronaut. Là, il y avait une édition d'époque, mais en fait, évidemment, toutes ces éditions sont hors de prix, elles valent plus de 200 € si on veut les avoir en bon état. Alors, Side One, voilà, avec les crédits, les photos. Et là, on a un exemplaire noir, parce que ça ne fait pas partie de la même vague de sortie. Donc, j'arriverai jamais à dire ce nom. Donc, Medazaland est sorti en 97, mais a été réédité en 2022, mais un petit peu de bonne heure. Donc, ce n'est pas la même série de tirage que les trois que je vais vous présenter, comme Astronaut, Red Carpet Massacre et All You Need Is Now. Donc, les trois albums des années 2000 donc, sont noirs. Je pense pas que ce soit du 180 grammes, mais très très bon pressage également. Voilà. Alors, je me souviens plus si le macaron est identique. Bah, ça vaut le coup quand même de s'y appesantir sur ces albums parce que c'est assez exceptionnel. Puis alors, ils tournent tous en 45 tours. Oui, voilà, je voulais vous préciser. Donc, 45 tours, que 3 titres par face, double album. Donc voilà, on a une qualité audiophile optimale, même si c'est pas en 180 grammes, ça n'a pas d'importance. Je vous dis, c'est le master, le tour 45 tours minutes. Voilà, donc c'est ça qui compte, l'espacement des plages sur les faces, etc. Et aussi le mastering, la qualité du pressage. Mais les 180 grammes, c'est uniquement pour éviter qu'il se voile à l'origine s'il n'est pas voilé au départ. Parce que si un 180 grammes est voilé au départ, c'est irrattrapable. Et là, on a un gatefold, donc je vais pouvoir vous le présenter. Duran Duran, Red Carpet Massacre de 2007 avec deux singles, Falling Down et Skin Drivers. Alors, avec un joli petit sticker que je vais protéger. Hop. Alors évidemment, je dédie un petit peu à cette vidéo à Seb Boitcha, qui sont fans avec son épouse de Duran Duran et à juste titre. Voilà. Alors, voilà la tracklist. Donc je vous rappelle, donc 2007 avec le groupe. Et là, on a vraiment du lourd, vraiment excellent, excellent disque. Alors je pense que c'est le premier, vous voyez, des sous-pochettes quand même très 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 bien soignées. Voilà, je pense qu'on a des macarons différents. Voilà. Je pense que les macarons vont être différents. Hop, hop. Tout se colle là. C'est pas évident. C'est pas évident à remettre. Et donc on a aussi. Ah oui, c'était sur celui-ci que j'avais eu un souci. J'avais un souci, j'ai été obligé de le renvoyer. Le poster que voici était collé.
était collé à la sous-pochette et je pense que toutes les sous-pochettes, en fait, des exemplaires que j'ai fait venir avaient ce trait-là. Donc le poster était plus ou moins collé, mais alors le mien avait arraché toute la pochette, enfin bon, donc j'étais obligé de le renvoyer. Mais en fait, tous les posters, je ne sais pas pourquoi, ont une marque, ont été posés sur à l'emballage, donc ici comme ça, et donc étaient plus ou moins collés. Collés, je ne sais pas si c'est un défaut d'usinage. Voilà. Donc je vous montre tout ça avec les Girls Band aussi, la Girls Band. Et voilà, donc ce sont des macarons différents. Voilà, on a les filles de la sous-pochette qui sont sur les macarons. C'est assez appréciable. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? L'intérieur, je vous l'ai montré évidemment. Je vous remonte parce que c'est quand même assez joli. On a rien d'autre. L'intérieur est rouge quand même des pochettes. C'est assez sympa. Donc, je vous remonte encore les membres du groupe. Voilà, Simon Lebon, tout ça. Et là aussi, on les voit bien. Ici. Voilà. Alors, je pense qu'elles doivent. Elles doivent chanter dans le. J'ai pas fait attention en fait, je suis un peu idiot. J'ai pas fait attention. En fait, elles doivent danser. Ou alors c'est l'histoire que les chanteurs, les Duran Duran racontent un petit peu l'histoire de ces filles en fait. Je pense. Je pense, je pense. Ouais, parce qu'il y a tout ça, oui. Ça, en fait, ça illustre les paroles des chansons. Voilà. Pour mal se finir en fait vu la pochette, de toute façon c'est un groupe assez équivoque hein, toujours 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 Duran Duran. Voilà pour Red Carpet Massacre de 2000 donc 7. Et là on passe à 2010 avec All You Need Is Love. Non, excusez-moi, All You Need Is Now. Vous voyez ce que je vous ai dit, l'acquaintance avec les Beatles, enfin le désir de vouloir prendre la relève des Beatles avec des refrains entraînants, comme les Beatles savaient le faire, mais avec un autre talent qui a duré avec John Lennon surtout. Bien sûr, regretter John Lennon. Bon, alors là, donc c'est All You Need Is Now. Voilà. Maintenant, c'est Now. Les Beatles, c'est Now. C'est nous. C'est Duran Duran. Alors, donc avec All You Need Is Now comme single, Leave a Light On et Girl Panic surtout. Voilà. C'est un gatefold, on peut y aller, n'ayons pas peur des mots. Hop. Voilà. Donc ici. Voilà. Très très belle. Voilà la tracklist. Et à l'intérieur, on a donc les deux. Voilà, je regarde. Voilà, il y a uniquement deux pochettes. Alors, voilà, D, au moins, c'est. Il y a D comme Duran. C'est pas Side D, c'est D comme Duran Duran. Je regarde, je commence. Voilà. Donc, le premier et deuxième. Donc, premier disque. Voilà, donc, avec style shitlist pour le master. Marqué au crayon, donc pour un petit peu faire du vintage, un petit peu parce qu'à l'époque en 2010, voilà, le vinyle n'était pas trop à la mode, donc il fallait relancer un petit peu, il fallait donner un petit allure vintage. Alors, il y avait eu une édition vinyle aussi, comme Red Carpet Massacre, avec une box, me semble-t-il, qui est hors de prix, qui vaut plus de 1000 euros. Une belle box, ouais, j'ai laissé passer. Et puis aussi le vinyle aussi. Alors les vinyles de ces trois derniers albums là coûtent presque dans les 200 euros, aux alentours de 200 euros. C'est pour ça qu'ils ont été réédités en 2022. Voilà donc le dernier qui est assez joli, hein, vous voyez. Donc Duran Duran. Donc ça doit se présenter, je pense, comme ça en fait. Voilà. Tac. Alors, puisqu'on est dans la New Wave, eh ben, restons-y. On a le dernier Simple Minds, voilà, pour information, que j'ai trouvé peut-être un petit peu moins bon que les autres. Voilà, un petit peu plus facile. Voilà, avec Jim Kerr comme chanteur, donc 2022. C'est l'édition exclusive, soi-disant, de la Fnac, mais en fait, c'est du BMG.
Bah, tout comme du Underground, aussi du BMG. Donc en fait, cette édition colorée, on doit la retrouver. Il y a eu plusieurs éditions colorées. Cette édition orange colorée, on doit la retrouver, pas en exclusivité sur la Fnac, je pense, mais dans d'autres pays. Voilà. Alors vous avez tous ces titres, évidemment. Donc pas mal, toujours un hymne à la nature, vous voyez, hein, avec les masques, etc. Bon, c'est un gatefold, on peut y aller. Allez, on y va franc jeu. On y va franc jeu, hop. Voilà. Si vous adorez Simple Minds, je vous le conseille, mais autrement, si vous voulez découvrir le groupe, non, non, non. C'est pas un album qui sera inoubliable. Hein, voilà. Faut dire, ils ont dans les 65 ans, même, voire plus. Donc c'est quand même des gens même plus. Hein, voilà, donc ça commence à vieillir tout ça. Mais enfin, quand même, ça c'est toujours un vieux ressort. Ça a toujours du ressort. C'est toujours pas mal. D'ailleurs, je l'ai acheté. Donc je les ai tous, à pratiquement, sauf un qui vaut très très cher, des années 90. Voilà, donc on les voit, la voilà, Jim Kerr au milieu. Voilà. Et on a évidemment une édition 180 grammes par contre, là, ils sont allés fort. Ouais, une belle édition orange, soi-disant exclusivité Fnac, mais bon, il n'y a pas marqué quand même le sticker dessus, exclusivité Fnac, donc faut se méfier. Mais j'ai choisi cette édition parce qu'elle n'était pas chère du tout et qu'elle était orange en plus. Alors que l'édition sur le site du groupe, je crois que c'est transparent ou d'une autre couleur, est quand même assez chère. Ensuite, de chez Rootred Records, voilà, alors un truc, un fiasco complet. Je vous avais montré la box de vinyle, 4 galettes, 4 disques vinyle, donc de Gatefold, où ils avaient remis tout ce qu'il y a sur la box CD, moins ceci. Moins ceci, c'est-à-dire des remixes de Steven Wilson, en fait des remixages, des remasteries, un remixage si vous voulez, mais d'après les bandes originales analogiques, donc masters. Donc ils avaient oublié la version de Steven Wilson et la version instrumentale. Alors un truc, alors ça a été pressé pour le Record Store Day, mais en fait. Pour le Black Friday par Rootred, ils disent que c'est une exclusivité Rootred par Chrysalis, Chrysalis filiale d'RCA, qui pressait depuis le début, donc Ultravox. Et donc on reprend les albums ici, les albums originaux, donc Vienna, la version de Steven Wilson et de Steve, pardon. Oui, Steven Wilson, pardon. Et donc, Raging Eden, Quartet et évidemment Lament, qui ont été réédités donc, en vinyle. Voilà, Alphied Master by Alchemy at Air Studio. Alors, en bonus, des versions instrumentales de l'album qu'on a dans la box CD, mais qu'à mon avis, ils voulaient économiser. Ils ont économisé ce disque. Donc c'est dommage, ils auraient dû l'inclure dans la box vinyle que je vous ai présentée. C'est vraiment dommage. En plus, le bandeau, alors c'est même pas un gatefold, je peux même pas enlever le cellophane. Voilà. Donc on a instrumental, instrumental. Bah, je vais vous montrer dans les disques, comme ça, sur les disques, pardon, dans les macarons. Ça y tout. Ça y va, voilà, on va aller voir. Donc 180 grammes, très bon pressage. Voilà, le Steven Wilson Stereo Mix. Voilà, donc en fait, qui a refait des mixages, un genre de remasterisation. Mais d'après les bandes analogiques, c'est-à-dire il a refait les mix avec les différents instruments sur toutes les pistes. Ça devait être en 16 pistes, ça, je pense. Donc, il a rééqualisé toutes les 16 pistes. Voilà. Pas forcément rééqualisé. Donc, We Stand Alone, Origin Eden, The Sin Roll. Il n'y a pas tous les titres de l'album. Stranger Within, Ascent of Youth, The Ascent, Your Name. Voilà. Ici. Et on a donc les versions instrumentales de ces morceaux. Donc, par Steven Wilson, qui a évidemment, il y avait donc certainement une ou deux pistes pour la voix, donc il les a donc enlevées, il a mis le volume à zéro,
Et l'instrumental, il a remixé un petit peu les instruments d'origine, un genre d'équalisation, si vous voulez. Il a refait un mixage pour que ça soit plus rendu. Donc, Side 3, donc We Stand Alone, instrumental, originé d'un instrumental, The Sinewall, un single instrumental. Il n'y a pas The Voice, hein. C'est le meilleur single de l'album. Stranger Within, instrumental, Ascent on Youth, The Ascent, instrumental, The Name. Your Name, instrumental. Il n'y a pas aussi I Remember Death in the Afternoon, enfin les meilleurs morceaux que je préfère, ils n'y sont pas là-dessus. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire, donc à rajouter à la collection de anniversaire, donc de la box CD, voilà, donc à la box vinyle, car ce Black Friday. Ce vinyle, donc stéréo mix de Seven Wilsons, si on l'adjoint à la box vinyle anniversaire de deux Gatefold 4 vinyles, ça fait donc 6 vinyles. On a l'intégrale donc de la box CD 2022 anniversaire. Donc on a toutes ces versions. Voilà, petit rappel, donc à joindre à la box vinyle. Et ensuite, alors celui-ci, je ne l'ai pas encore écouté, mais je connais le morceau dessus. C'est une version, alors j'ai eu au prix normal en Pologne, il n'y a eu que les frais de port que j'ai acheté. En plus, je l'ai eu dans les 35 €, alors il coûte déjà pas mal. C'est un non officiel officiel, je vais vous expliquer. Donc The Cure, 17 Seconds, le deuxième album, je crois, qui était sorti en 80, voilà, chez Fiction, toujours son label. Et qui a été réédité donc avec des morceaux bonus. Vous verrez ici qu'il y a donc les morceaux de l'album. Et on a évidemment un morceau, deux morceaux en plus. Voilà. C'est pas mal du tout. Voilà. On a deux morceaux en plus. On a un morceau démo et on a des morceaux live. Voilà. On a pas mal de live. Voilà. Donc. On a alors l'album comprend A Reflection, Play for Today, Secrets, In Your House 3, et on a en bonus I Am a Cult Hero, I Dig You. Ensuite, on a Side B, The Final Sound, A Forest, évidemment le single, dont le maxi est introuvable, vaut très cher. M, At Night, 17 Seconds, Another Journey by Train. Moi, je l'ai sur un autre maxi, version de Forest aussi. On a ensuite A Reflection en live, Play for Today Live, Secrets, Home Demo, In Your House Live, 3 Studio Mix, une nouvelle version. Donc on a quatre versions inédites sur l'album, hein, parce que I Am a Cult Hero Live, et ensuite on a The Final Sound, The Forest, M, At Night, 17 Seconds. Et I Did You, encore l'inédit, en live aussi. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez. Voilà, donc c'était quand même assez sympa. C'était sorti donc en 2008. Il y a eu une édition, je crois, un petit peu postérieure. Moi, ça doit être celle de 2014. Donc 15 bonus tracks. Et on peut dire que cet exemplaire vaut aussi cher qu'un original en bon état. Voilà. Mais je tenais à voir celui-ci. Voilà, c'était. Alors, je sais pas, je connais pas le pressage. Alors, un officiel, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un trou dans la raquette par le label. Je crois que dans le pays où ça a été pressé, la marque Russia, oui, sous licence de Universal Music Russia, donc ça a été fait en Russie, hein. Et donc la licence en fait a été faite, ça a été fait en Europe, soi-disant. En fait, ça a peut-être été pressé en Russie, mais enfin mettons à l'époque, hein, avant les sanctions, c'était avant 2014. Donc, mais en fait, ça a été donc c'est un non-officiel parce qu'il n'avait pas le droit d'être pressé en Europe. Mais bon, mettons. Mais par contre, la licence a été autorisée pour la Russie, mais pas pour le reste de l'Europe. Enfin bon, il y a eu un peu un trou dans la raquette, ce qui fait qu'il n'est pas interdit sur Discogs. Et voilà, il n'a pas été. Voilà, c'est un unofficial official. Bon, je vais peut-être y arriver quand même à l'ouvrir. Voilà, hop. Je préfère. Quand je n'ai pas de jean, je préfère le faire
à la méthode ancienne. Ouais, alors de toute façon, c'est un peu idiot parce que c'est un gatefold. C'est ça l'avantage. Voilà, contrairement à l'original, je crois qu'il n'était pas en gatefold. Évidemment, donc un petit, non pas trop ouais, glossy, un petit peu glossy. Voilà. Voilà, donc. Comment ça se présente? En général, avec ce type de pressage russe, dirons-nous, d'Europe de l'Est, 180 grammes. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas de vinyl lovers, voilà. Je crois que c'est oui, musique russe. C'est un pressage, ils mettent pressé en Europe, mais en fait, c'est pressé en Russie, vous voyez, à l'époque. Mais ces pressages sont bons, sont de bonne qualité. Ils avaient de vieilles usines de pressage, les Russes, ça fait pas. Ça fait. C'est pas récent, quoi, leur expérience dans le pressage des vinyles avec deux pochettes antistatiques, et c'est assez appréciable. Pas de poussière propre. Puis ça se sent. Il n'est pas voilé, vous voyez, impeccable. Ça se sent des bons pressages. On sent à la main que. On sent que c'est du bon. Voilà. Donc, bah, il me restera à l'écouter. Bon, il y a des inédits qu'on trouvait sur des singles, me semble-t-il. Hein. Puis de toute façon, en CD, vous avez tout. Tout qui a été réédité en CD. Hein. Donc voilà, parce que voilà, faut pas l'oublier qu'il y a le CD qui existe quand même. Par contre, sur l'album d'origine, évidemment, il n'y avait pas tous ces titres. Donc des inédits sur l'album I'm a Cult Hero, I Dig You, Tree et Secrets Home Demo Version et Tree at Studio Mix. Voilà. Et des lives, donc ce live. Oh, j'ai pas pu, j'ai cherché, savoir quand est-ce que ça avait été sorti en live. Alors peut-être que c'est marqué là, même pas. Oui. Ça même les paroles des chansons. Je pense, ouais, c'est appréciable. Enfin, c'est une belle édition. Je tenais à l'avoir. Bah, déjà 32 minutes. Hein, heureusement que j'ai pas parlé d'autre chose. Voilà. Alors il y aura pas mal de. Il y aura deux encore, enfin trois vidéos. Une vidéo sur un record sale, donc des disques d'occasion de New Wave des années 80, essentiellement. Il y aura une surprise, oui, alors là, faudra pas la manquer, ce sera ma meilleure vidéo. J'ai pu mettre la main au Japon sur une collection de bandes originales d'une série de films originaux. Les films sont originaux, mais les bandes aussi, et en pressage japonais, et c'est assez époustouflant. Voilà, donc Record City avait rentré donc certainement une collection. Et il faut regarder toutes les semaines. Hein. Ils ont des arrivages. Alors vous cliquez arrivage, vous cliquez semaine. Si vous voulez les imports japonais, vous mettez vinyle. Puis après, vous mettez Japon. Et après, vous mettez avec Hobby. Comme ça, vous avez vraiment de bons pressages de qualité. Et ensuite, vous mettez Soundtrack, vous mettez Sunpop, vous mettez Rock, ce que vous voulez. Et vous avez les imports japonais de la semaine. C'est un petit peu plus étendu. En fait, ça recouvre les 15 derniers jours. Hein, c'est un petit peu plus large, donc c'est bien. Alors, toutes les semaines, il faut y aller. Alors, des fois, il y a des choses, mais ça ne vaut pas le coup de faire venir un ou deux disques avec les frais de port, tout ça. Voilà, il faut vraiment faire venir des disques qui valent le coup. Et là, le prix était intéressant et il y avait une dizaine de disques vinyles. Voilà, alors donc ce sera le cadeau de Noël et ce sera la vidéo de Noël. Donc, voilà. Et après, il y aura donc Record Sale, celle-là. Mais j'attends, ça a été expédié du Japon, j'attends de recevoir le colis. Et après, il y aura deux vidéos sur des nouveautés, diront rock indépendant, pop rock, etc. Donc les nouveautés, je pense faire avec les Girls Band, une vidéo comme j'avais déjà fait, côté Girls Band et côté mâle et côté fille, dirons-nous. Voilà, donc côté chanteuse et côté chanteur, voilà, il y aura un petit peu, parce que les pochettes sont quand même assez ressemblantes, hein, c'est assez troublant, on a des pochettes qui se ressemblent, on a l'impression qu'ils se copient, surtout pour les chanteuses, les unes sur les autres. Voilà, donc l'info, donc ne manquez pas celle de Noël, parce qu'à mon avis, vu ce qu'il y a dedans, ce sera assez époustouflant. Je pense que ce sera ma meilleure vidéo de BO, notamment parce que les autres, ce sont quand même des disques neufs. Là, on a affaire à des originaux quand même, qui sont assez anciens, qui ont au moins 40 ans et 50 ans. Donc,
voilà, une quarantaine d'années, 35, 40, 50 ans, et qui sont dans un état neuf. C'est parce que les Japonais, généralement, quand on a affaire à des pressages qui sont plus récents, des années 80, ils sont très rapidement mis au CD. Ils n'ont pas écouté, très peu écouté leur vinyle des années 80, parce que leur CD était sorti dès 83. Hein. Flashdance, tout ça, Duran Duran, enfin il y avait beaucoup de pressages en CD dès 83-84, donc ils s'y sont mis très vite puisque c'est Sony qui faisait tout ça. Donc au Japon, ils s'y sont mis très tôt. Ils avaient des appareils pas trop chers, tout ça, donc les brevets, tout ça, c'était moins cher à exploiter là-bas. Donc ils se sont mis au CD rapidement, donc les vinyles ont été protégés. Puis eux, ils sont très soigneux, très collectionneurs. Maintenant, ils vendent parce qu'ils ne sont pas encore attachés forcément à ce support vinyle tant que ça. Ils préfèrent je crois, les 20, pas 24 bits, enfin, ou 16 bits, parce que nos CD tournent en, je sais pas si c'est en 8 bits ou 16 bits. Ouais, pas, c'est pas terrible. Donc là, on a affaire soit en 32 bits, je sais plus. Enfin, à beaucoup plus de bits, entre guillemets. Donc on a des enregistrements CD qui sont bien meilleurs, et notamment au Japon. Les Japonais sont restés fidèles au support numérique. Voilà, c'est pas comme nous, il n'y a pas eu cet engouement comme en Occident, en Europe, et aux États-Unis surtout. Voilà. Alors donc, j'ai fini. Allez, à bientôt, n'hésitez pas, les pouces bleus, laissez vos commentaires et à partager la vidéo. Et voilà, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!